Les mallettes pédagogiques, les leçons de choses du musée de l'image ville d'Épinal s'adressent à toute structure souhaitant mener une activité culturelle auprès de ses usagers en autonomie et au sein de son établissement. Ces mallettes peuvent être réservées et empruntées gratuitement sur simple demande. En voici une présentée en quelques mots par le service des publics du musée de l'image. Mythologiques, récits antiques, grands classiques de la littérature, contes populaires pour enfants, de nombreux monstres se cachent dans les histoires. Découvrez-les et apprenez à les apprivoiser à travers deux séances d'une heure hors activité plastique. La première séance, consacrée à la définition du mot monstre, démarre par l'observation de quelques personnages. Leur description est l'occasion pour votre groupe d'échanger autour de leur compréhension du terme. Selon eux, qu'est-ce qu'un monstre ? Ensuite, des lectures d'images de Barbe Bleue, de l'attaque de monstres marins et du petit bossu pointent du doigt les agissements des dix monstres et nous interrogent sur les sentiments qu'ils nous inspirent. Peur, dégoût, rejet, pitié, de quoi nourrir notre recherche de définition. Et aujourd'hui, les monstres que nous rencontrons au cinéma, dans les livres, sont-ils toujours aussi effrayants ? Une suggestion de création plastique invite les enfants à créer un personnage hors norme. À eux d'en faire un monstre ou non. À l'instar de la précédente séance, la seconde démarre par un jeu minute. Qui sera capable de retrouver les duos monstres-héros ? Sont-ils amis, ennemis ? L'histoire peut-elle se créer sans l'un ou l'autre ? Le débat est ouvert. Ensuite, avec pour appui l'histoire illustrée de La Belle et la Bête, Jeunesse, Le Papillon d'Or ou encore Le Serpent de Rhodes, interrogez votre groupe sur les circonstances de la rencontre entre un héros et son monstre, l'évolution de leur relation et, in fine, le rôle indispensable des monstres dans certaines histoires. Enfin, comme aujourd'hui, certains monstres deviennent les super-héros des histoires. Proposez à votre groupe d'imaginer les aventures d'un héros dont l'apparence est monstrueuse. Pour les aider, une liste de super-pouvoirs à piocher. Ne manquez pas nos autres vidéos explicatives des mallettes pédagogiques, les leçons de choses et nos offres de visite, le tout à retrouver sur notre site internet.